cette Marco. Oui. Et moi, vous savez qui je suis? Moi aussi, je sais qui vous êtes. Vous avez une idée de ce que l'on attend de vous? Une petite idée. Ce qui nous intéresse, c'est le président. Le président? Pourquoi? Je n'ai pas à répondre à vos questions. Excusez-moi, mais la plupart des gens pensent que le président ne représente plus rien, qu'il appartient à une histoire morte. Ce n'est pas notre analyse. Pour faire aboutir notre action, nous avons besoin de savoir où il est, et surtout ce qu'il fait. Nous voulons des informations sur lui et sur ceux qui ont réussi à le rejoindre. Il faudra des preuves. J'ai déjà la preuve du départ de Holm. Il a tout fait péter derrière lui. C'est bien. Vous voulez la liste des autres? Je connais les gens du mouvement sur le bout des doigts. Il ne se méfie pas de vous? Il croit que je suis de leur bord. Vous n'avez pas confiance? Si. J'avais entendu parler de ça, mais je n'y croyais pas vraiment. Réservé à Lilith. Si vous voulez. Qui vous l'a donné? Parkinson? Non? Avant son internement. Vous êtes très bien informé, en effet. J'ai appris à me renseigner, y compris sur les gens que j'admire. Je peux encore vous poser une question. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Il paraît que c'est trop risqué pour moi. Pourquoi vous faites ça? Mais pas vraiment des nôtres. Pas l'Ectolena juge d'eux. Votre il a me guéri. Zevache le colimieur. Leva tchernet. L'orine est mort, il y a zacherni. Regarde, il y avait. Moi, j'aime que de la vie. Et vous l'êtes. Szeretős me Bálit. Marco! Marco!
Monsieur Holm, nous sommes heureux de vous savoir ici. La chambre est prête? Oui, monsieur Holm. Une des plus belles. Une vie extraordinaire, monsieur Holm. Holm est arrivé. Sans saluer personne. Et Smolek, Lamazière, Nikolai. Ils vont pas tarder, je m'en fais pas pour eux. Grande époque. Grande équipe. Vous êtes sûr d'avoir bien regardé, général? Mais le barbu. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? C'est Harkinson. Ce malade n'est plus des nôtres depuis 5 ans. Cette photo aurait dû être enlevée. C'est précisément ce à quoi je pensais. C'est là-haut, toute cette racaille. On se demande d'où ça sort, tout ça. Du néant, où nous nous apprêtons tous à retourner. Qui c'est? C'est Holm. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Consommez schlodnigi, croustade de pirouette de grasse, matelot de carpe à la graisse d'oie, cœur de nègre aux fruits rouges.
Cette carte. Qu'est-ce qu'elle a? C'est une vieille carte. Pas logique, ça. En principe, je devrais... Je ne sais pas ce que je devrais. Vous devriez me donner une chambre. C'est ça qui serait logique, non? Logique. Ça, c'est logique. Je devrais dire quelque chose. J'y songeais, Muriel. Bonne chance. On pourrait bien vous poser quelques questions à vous aussi, Holm. À moi? Grand Dieu, mais je n'ai rien à dire. Chers amis, si vous le permettez, en dépit des circonstances malheureuses qui font que nous sommes ici, et cette table étant pour l'instant inoccupée, je crois qu'il convient de célébrer notre réunion. En l'absence du président, je suis sûr de traduire sa pensée en levant mon verre à notre passé, à notre avenir, à la sagesse du président également, puisque c'est grâce à lui que nous pouvons disposer de ce havre de paix. Au passé, à l'avenir. Au passé, à l'avenir. Au raté, à l'abîme. Et qu'on ne passe cela. Non, mais tu entends ça? Pourquoi n'y a-t-il rien sur les écrans des téléviseurs? Nous devons être informés pour agir. C'est ça, agissons! Par où on remonte? Moi, je prendrai bien l'air pour commencer. Faites-le taire. On va peut-être rester un certain temps ici. Il n'y a pas de médecin, pas de boutique. Et rien pour communiquer avec l'extérieur. Pas de téléphone, rien. C'était prévu pourtant tout ça.
Il y a beaucoup plus important, il me semble. Le président. Pourquoi n'est-il pas parmi nous? Bonne question. Bonne question, Solal, en effet. Mais je n'ai pas de réponse toute faite. Le président apparaîtra quand il le jugera nécessaire. Cela a toujours été sa stratégie. D'accord, général. Mais en attendant, il n'y a pas moyen d'améliorer les choses? Pour ce qui est du service, Destoups, il... C'est déplorable, vraiment, du bas de gamme. Peut-être que notre cher ami Holm pourrait répondre à cette question. Vous savez, cher Muriel, je n'ai fait qu'honorer une commande déjà ancienne du président, comme j'en ai honoré bien d'autres. Mais je n'ai pas suivi le processus final. Alors? Comment expliquez-vous qu'il y ait tant d'absents? Pour ma part, je me réjouis plutôt qu'il y ait tant de présents. Et parmi eux, tant de gens ayant occupé d'éminentes fonctions. Qu'est-ce qu'il dit? Bien répondu! À nos éminentes fonctions. Étrange de se retrouver ici après toutes ces années sans se voir. Du bon travail. Voilà ce que nous avons fait tous les deux, Nielsen. On nous accusait de remplir les prisons, vous et moi. Et maintenant qu'elles sont vides là-haut, tout le monde les regrette, nos prisons. Mais pas de regrets à avoir, chancelier Zarka. Ici, j'ai comme l'impression que nous nous sommes nous-mêmes mis en prison. Tais-toi. Tu nous fatigues. Tout est foutu. Rien n'est jamais définitif. Tu as même écrit des choses définitives là-dessus. Vous avez remarqué, on est 13 à table. Je veux dire avec la table du président. Comment? On serait 13 à table. On dit que ça porte malheur. Heureusement qu'il n'est pas là. Louise, tais-toi. Donnez-moi quelque chose de fort, n'importe quoi. Qui êtes-vous? Une invitée. Comment êtes-vous arrivée? Comme vous. Comment? Par l'ascenseur, comme vous. Vous avez une carte? Oui, dans ma chambre. Elle a une chambre en plus. Cette femme n'est pas des nôtres. Il faut la renvoyer. Et comment vous faites pour la renvoyer? Il faut l'enfermer dans ce cas. Non, il faut l'interroger, savoir comment elle s'est introduite ici. Il y a des manières plus élégantes de faire connaissance, vous ne croyez pas? Je suis certain que tout va s'expliquer facilement. Voici Holm. Et vous? Clara. Voilà. Pas besoin d'interrogatoire. La même chose pour moi. Comment cette fille a-t-elle pu avoir une carte? Harkinson, je ne vois que lui. Impossible. Ce cinglé a été écarté proprement. J'ai moi-même détruit sa carte et celle de tous ses alliés politiques. Tu oublies qu'après son accession au grand secrétariat, il a été incontrôlable pendant un moment. Il peut rester des cartes dans la nature. Il faut attendre Nikolai. Lui, il saura. Non. Non, non, ça c'est du ressort de Smolek. Je vais nager. Vous êtes courageuse. Vous croyez que Holm va apprendre des choses sur cette femme? Je crois surtout que Holm est dangereusement imprévisible.
Allez, viens, au lieu de te ravager. Il n'y a pas de fond. L'eau est trouble. Trop froide. Allez, viens avec moi. Vous connaissez des gens ici? Certains, oui, de vue. En ville. Eh oui. L'élite du mouvement. Plutôt ce qu'il en reste. Qui aurait dit que tout ce beau monde finirait là-dedans? Mais vous en avez fait partie de ce beau monde. Ministre, secrétaire d'État, industriel. Vous trouvez que j'ai vieilli, moi? Je ne sais pas. Les gens comme moi ne vieillissent pas. Et vous, Clara? Quel âge avez-vous? C'est l'interrogatoire qui commence. Incroyable. Vous êtes médecin en plus? Ces imbéciles ne sont pas malades, ils sont inadaptés. Vous venez au bain avec moi. Nous continuons de bavarder là-bas. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. C'est mon idée. Ici. Vraiment, je n'ai rien à y faire, je vous assure. Venez chez moi maintenant, vous avez été assez gentil comme ça. Gentil, moi? C'est bien la première fois qu'on me dit une chose pareille. Clara? Vous connaissez cette fille, Nicolas? Oui, oui, je connais cette fille. Chantal? Ça dépend pour quoi faire. Que voulez-vous? Champagne, partie fine. C'est moi, Clara, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Chère Clara, nous nous sommes quittés un peu brusquement. J'ai pensé que c'était dommage. Pas vous? Aphrodisiaque, préservatif, calmant. Cassez-vous, la matrone. Aphrodisiaque, préservatif, calmant. J'ai dit dehors! On vous a dit dehors! Oui, j'avais seulement oublié que c'était un autre style, cela. Vous voulez du champagne? Évidemment, je suis venu pour ça. Hm.
Vous habillez toujours comme ça dans l'intimité? C'est original. Bienvenue parmi nous. Plaisantez? Pas du tout. Je m'ennuie ici. Aucune femme intéressante à part vous. J'ai trouvé l'accueil de vos amis plutôt froid. J'ai même l'impression que s'ils avaient su où était la sortie, je serais déjà reparti. Vous avez pourtant des alliés ici. Qui? Vous? Non. Moi, je suis l'allié de personne. Jamais. Non, je pensais à Nikolaï. C'était émouvant, votre rencontre. Jamais vu ce type de ma vie, sauf sur des photos. Ah bon? C'est bizarre, ça. Ces vêtements d'homme, ce nécessaire à barbe, c'est pas bizarre, ça aussi? Oui, c'est ça. Marqué pour la littérature, il n'y a rien à dire. C'est parfaitement dans la ligne. Peut-être même trop. Et c'est ça, Paul. Ce sont mes affaires. Vous oubliez ça. À quoi vous jouez, Clara? Vous pouvez ne pas me répondre. Le fait que vous jouiez me suffit. J'adore ça. Vous savez, je connais d'autres jeux, que vous connaissez certainement aussi, dans lesquels je suis très au-dessus de la moyenne. Et si je jouais à dire non ? Ne te cache pas que je suis emmerdé. Le président aurait dû être là pour nous accueillir. C'est maintenant qu'on a besoin de lui. Il va pas tarder. J'ai de nouvelles propositions à lui faire. Il les attend. Il y a aussi cette fille, Clara. Et Smolek et de la Mazière qui n'arrivent pas. Smolek? La Mazière, justement. Qu'est-ce qu'ils foutent sur cette photo? Si Harkinson est sur cette photo, eux ne devraient pas y être. Beaucoup d'autres non plus, d'ailleurs. Pas même toi, Orsini. Venez voir! Il y a quelque chose, on n'entend rien, mais il y a quelque chose. Merde, j'entends rien. Mets-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ces gribouillis? Si ça se trouve, tout va bien maintenant, là-haut. On n'aurait peut-être pas dû descendre. Si ça se trouve, tout va mal. Qui vous dit qu'on ne cherche pas à nous intoxiquer? Faites attention, c'est la seule que j'ai. Quand je pense au nombre des types que vous avez condamnés sans entendre ce qu'ils disaient. Voilà, chancelier. Réparez! Vous entendez cette langue? Il faut arrêter ce truc, on se fout de notre gueule.
Des dessins de gosses, cette langue ignoble et quoi encore? C'est pas qu'une langue ignoble, Orsini. C'est la langue interdite. Interdite, vous entendez? Interdite ou pas, faudrait mieux savoir ce que ça raconte. Ça fait plus de 30 ans que j'ai pas entendu cette saloperie. Il n'y a personne ici qui la parle, cette saloperie. Ne dites pas d'imbécilité, des stoupes. Personne ne parle ça ici. Viens, Nikolai. Qu'est-ce qui ne va pas? 14 degrés. Pourquoi 14 degrés? Ben, nous. Oh. Toujours pas de faux. Ça m'est égal, l'eau. Tu ne m'embrasses pas? Fais-moi voir ça. Marianne Orsini, vous êtes une catin. Une pute au service du mouvement. Tu es devenu fou. Vous voulez que je vous embrasse? Lâche-moi! Fou, tu as raison. Il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Tu as remarqué sa cicatrice? Thank you.
Bonsoir, Clara. Allez-vous-en, partez. C'est le fils de Smolek. Yann, Yann Smolek, tu m'entends? C'est grave? Tellement sur la vie de son père. Laissez-moi évanouir. Réveille-toi, Yann. Piqûre, préservatif, calme. Piqûre, oui, très bien, piqûre. C'est une piqûre de quoi? Il n'y a aucun risque. Yann, tu m'entends? Qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Tu m'entends, Yann? Ils nous ont chassés. Ils ont reconnu mon père. Ils parlaient d'une langue que je ne connaissais pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On s'est caché. Il y avait des nuages. Poisonnés partout. On a couru. Il y avait des gens. Des gens avec les yeux malades. La pluie blanche. Mais ton père, il ne t'a rien donné pour nous? Oh, il est tombé. J'étais presque dans le train. Ils sont tirés. Thank you.
osez-vous vous attaquer à cette porte? Venez, je vous invite, moi. Qu'est-ce que vous cherchiez, Clara, devant la porte du président? Vous vous intéressez à lui? Comme tout le monde, il me semble. Ça marche plus? Non. C'était du mauvais matériel de la première génération. Il a fallu faire vite. Pas de personnel humain pour des raisons de sécurité. Vous comprenez, Clara? Pas d'intrus. Qu'est-ce que vous avez filmé d'intéressant cette nuit? Vous n'avez jamais rêvé de voir à travers les vêtements? Moi, j'ai l'impression que parfois j'y arrive. Pourquoi vous êtes venu ici? Regardez-moi. Comme vous, comme les autres, pour m'abriter. Je vous ai posé une question. Je suis venue pour espionner. Pour assister en filmant à la déchéance d'une classe. La fin d'un monde, ça vous va, ça? Ça me paraît plus proche de la réalité. Alors vous devez avoir envie de me poser des questions? Allez-y. Filmez-moi. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous gêne? Vous ne savez pas comment vous adresser à moi. C'est vrai que je suis unique à ma façon. Voyons, faut-il dire... Professeur Holm? Monsieur le président directeur général de Holm Industries? Ou Holm le mécène, Holm le joueur, Holm le révolutionnaire? Le révolutionnaire? Je plaisante. Y a pas de quoi. Des gens meurent par milliers là-haut en ce moment. Musez plus, Holm. Vous pouvez raconter ce que vous voulez aux autres pour la caméra, pour tout. Restez, Clara. Vous savez, j'aurais rien dit pour la caméra. Tu as froid? Ce n'est pas normal, ce froid. Ah!
tout à fait incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est du givre. C'est gelé partout. À mort, il y a longtemps, par contumace. C'est leur réseau clandestin qui nous ronge depuis des années. Regardez. Vous vous souvenez, Nielsen? C'est elle. Tout est là. Tout. Les infiltrations auprès du grand secrétariat, c'est elle et les siens. Les actes de terrorisme contre les forces régulières, c'est elle aussi. Taisez-vous. Taisez-vous. La sentence doit être exécutée! Assez! Fermez la Zarka! Qu'est-ce que vous faites ici? Bon séchoir. Très bonne marque. Très chaud. Non. Je vous laisse. Reste. Vous vous mettez d'accord avec les autres? Les autres? Mais ils comptent pas, les autres. Comme Nicolas est. Bon. Il est mort. Tu as compris ça, toi? Ne dis pas que tu m'as pas reconnu. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Tu m'aimes toujours? Moi, oui. On va refaire de grandes choses ensemble. Arkinson et Clara. On a baisé ce jour-là sur la plage Est. Tu te souviens?
qui t'a fait ça? C'est moi. Pour venir ici. Le président va me reprendre à ses côtés, tu sais. Il faut que je rechange de gueule avant. Qu'il est laid, ce Nikolai. Mais qu'il est laid. Regarde ça, la mâchoire, là. Et la cicatrice, c'est mal fait. T'es très bien comme ça. Mais je suis pas très bien, c'est horrible. Je me suis fait charcuter pour ressembler à Nikolai et... C'est Harkinson qui était très bien. Lui, il avait une barbe... Faudrait que ça repousse. Arrête! Fais ta valise, Clara. Le président nous attend. Non, Harkinson, c'est toi qui l'attends. L'ascenseur. Vite, vite, c'est le président. Ce n'est pas le président. Merde, la matière. Il est mort. Mais le président, le président... Président. Allez-y, Destoupe, exprimez-vous, mon vieux. Mais où il est le président dans tout ça, c'est vrai, quoi? On n'arrive même plus à en parler. Sa chambre est toujours fermée, là. On crève de froid, on pue, on attend. Décalez-vous, Destoupe. Et pendant tout ce temps, tout fout le camp. Qu'est-ce que je vous disais? La plupart d'entre nous, où ils sont maintenant, hein? Toujours là-haut, crevés avant même d'avoir pu partir. Ou crevés pendant le voyage, comme Smolek, ou comme lui. C'est pas vrai, à la fin, ce bordel. Cette saloperie d'ascenseur, complètement cramée maintenant. Merde, 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 merde. Vous la bouclez, Destoupe, maintenant. J'ai besoin de concentration, moi. Vous comprenez ça? C'est le bordel, je vous dis. Le bordel. Il a raison, Destoupe. C'est le bordel. Il y a plus en plus de morts. Qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, un mec Solal? Je me propose pour le convoi funèbre. Je me demande si ça vaut la peine de le mettre au frigo. Franchement, Holm, je ne comprends pas. Ah bon? Non, votre rôle
au sein du mouvement a toujours été particulier. Je sais bien. Oui. Avec ce brave connard de Destoupe, on a surtout été bon à alimenter les caisses. Vous êtes insultant, Holmes. Vous oubliez que vous avez fait partie du deuxième gouvernement de la Mazière. En tout cas, j'espère ne pas faire partie du troisième. Laissez-le moi. Je m'en occupe. En face de l'initiative, Nikolai. Déjà cela, là, la culture. On parle tous les deux. Il y a longtemps que j'y pense. Très longtemps. Pousse-toi, Solal, tu gênes. L'hôpital psychiatrique. C'est à vous que je le dois. J'ai des preuves. C'est dans les fiches de Smolek. Vous comprenez ça? Les fiches? Je sais tout ça. Tenez. Maintenant, il faut bien m'écouter. Les contradictions internes. Vous n'avez pas compris les contradictions internes. Vous étiez trop vieux. Moi, j'avais compris. Il fallait manœuvrer, retourner, contourner. Mais même on m'accusait d'être faible, de pactiser avec l'ennemi, d'être fou. Harkinson est devenu fou. On disait ça. Harkinson est devenu fou. Vous nous lâchez, Holm, alors que le monde a besoin d'un parti d'ordre. Voyons, Orsini, ça ne vous a jamais effleuré l'esprit qu'il n'en restait plus grand-chose de ce parti. Dans le fond, vous n'avez jamais cru à nos idéaux. Il suffit de voir comment vous protégez cette Clara. Vous savez, mon vieux, par les temps qui courent, mon seul idéal, c'est de survivre le plus agréablement possible. De survivre, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas envie de finir dans un congélateur, moi. Vous êtes ignoble, ignoble. Ce sont des traîtres comme vous qui sont responsables de l'échec du président. L'échec du président? Mon cher petit Orsini. Ceux qui sont ici, dans ce trou à rats, avec ce bruit qui se rapproche, qui les a attirés là, à votre avis? Le président, non? Qui, lui-même, n'est toujours pas là? Je vous le rappelle. Vous n'avez pas le droit de dire ça, espèce de salaud. Et pourquoi il n'y a pas moyen de discuter avec vous? Hein? Je vais me rendre justice. Vous avez des ennuis, Nikolai? Thank you.
logique. Logique, ça. Hein, qu'est-ce que c'est ? Holm ! Vous le savez ? Mais bien sûr que je le sais. C'est la taupe. Ma taupe. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est tout ce qui compte dans le monde. Se planque dans des abris souterrains anti-atomiques, anti-chimiques, anti-émeutes, anti-tout. Où faut-il frapper, à votre avis ? Il faut frapper là où ça fait le plus mal. Ma taupe est capable de faire le tour du globe s'il le faut. À des profondeurs incroyables, indécelables, inimitables. C'est un produit Holm Industries, parfait comme toujours. Pourquoi vous nous cachez des choses, Holm ? Pourquoi c'est venu là ? Voilà pourquoi c'est venu, pour déposer la bombe. Et ça va péter dans 3 heures ou 3 minutes ou 3 secondes. Pourquoi qu'il fait ça ? Pourquoi encore ce bruit ? Mais voyons, Muriel, réfléchissez. Le code, qui a le code ? Qui commande ? Qui décide ? Le président. La question, c'est finalement, pourquoi vous a-t-il fait venir ici ? Vous ? Il a raison, ce garçon. C'est bien la première fois, mais il a raison. C'est ça, la question ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça va faire boum ? Oui. Boum ! Très bien. Mais il faut que je voie le président avant, il attend mes propositions. Vous faites comme vous le sentez, mon vieux. Le président, lui, il sait qui je suis. Clara aussi. Venez par ici ! Venez ! Yann ! Yann ! Tu m'entends ? Il est mort. Yann ! Je vous dis qu'il est mort, venez. N'ayez pas peur. C'est rien, c'est ma taupe qui s'en va. Tu n'as pas le droit de t'asseoir ici. Personne n'a le droit de s'asseoir ici. Pourquoi le président nous a-t-il abandonnés ? Pourquoi ? Parce que votre temps est fini et que le mien commence. Arrête ça, Henri ! Thank you.
L'arme qui est pas là. Curieux de se retrouver face à face, après tant d'années, n'est-ce pas, Clara? Vous avez pris des risques. Êtes-vous au moins satisfaite de ce que vous avez vu? C'était pas très joli. Je vous raccompagne là-haut. Pourquoi vous me laissez sortir? J'en ai fini avec l'ancien monde. Et je prépare le nouveau. Pour eux, c'est terminé. Pour moi? Vous, vous n'appartenez pas à l'ancien monde. Je vais vous charger d'un message. Ceux pour qui vous travaillez vous croiront. Ils ont confiance en vous. Ils ont raison. Et qu'est-ce que je dois leur dire? Tu leur diras ceci. Karadjelić, to je dezruči prevozit. Vous parlez la langue interdite? Bien sûr. Cette langue, ta langue. C'est moi qui l'ai interdite. Maintenant, c'est moi qui l'autorise. Vous êtes vraiment prêt à tout pour garder le pouvoir? Toi, tes amis sont prêts à tout pour le prendre. Ça crée des liens. Effectivement. Nous arrivons. Tu es attendu là-haut. Maintenant, retiens bien ce que je dis. Karadjelić, to je dezruči prevozit. Karadjelić, mož njervin, rujdani. Vous êtes Clara, n'est-ce pas? Moi, c'est Holm. Amusant. Vous pensez que nous nous connaissons déjà? C'est possible. Venez, vous êtes attendu.
Vous avez un message pour moi, Clara. Pas le. Alice Goering.